en besoin. Tous les Européens l'utilisent, jeune, moins jeune, al du vieillard. Banquier, pauvre, riche et surendetté. Depuis le 1er janvier 2002, on passe du franc à l'euro. La conversion pose des problèmes aux vieillards et à ceux qui ont des problèmes en mathématiques. Par des conversions, on obtient 1 euro égal 6,559577 centimes. 1 euro égale 1,18783 cents. 1 dollar égale 6,52634 centimes. 1 dollar égale 0,84390 euro centimes à la date du 22 février 2006. Pour une cagnotte de 183 millions d'euros divisés en 3 par 2 français et 1 portugais dont les tickets ont été achetés à Paris, des émotions sortent de chacun et tout le monde en parle. Je remarque que l'argent devient ce que l'on appellerait le centre des communications de tout le monde, comme si l'argent était devenu un dieu. L'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de choses mauvaises. En aspirant cet amour, quelques-uns se sont éloignés et loin de la foi, comme le dit la Bible de mon Dieu. Le signataire de la cagnotte affirme qu'il n'a jamais fait un chèque avec autant de chiffres. Et je remarque de la fierté dans son discours, comme s'il s'agissait d'une gloire, une gloire temporaire, un pouvoir limité qui peut susciter des jalousies profondes et la perte de la vie privée de l'être vivant. Jésus, le Fils de Dieu, nous encourage à ne se contenter que du minimum afin de pouvoir avoir les yeux clairs pour voir la lumière du Tout-Puissant. Car l'argent qui est le piège du diable, bien qu'utile, ne sert qu'à faire du tort et des divisions quand il est mal utilisé. Quelqu'un de généreux pourrait partager sa fortune avec ceux qui sont dans la rue ou ceux qui crèvent de faim en Afrique. Car l'Afrique doit des sous d'un des chanteurs que j'ai écouté. Je veux m'approprier des outils de travail pour passer le message de mon Dieu. J'ai besoin d'argent et quand je parle de réservation pour une importante outil de communication, on me dit que je suis le seul à faire ça et qu'il faut faire vite pour acheter. Sinon je ne pourrais pas avoir l'outil puissant et vivant de communication qui permettra de faire passer le message de vie de mon Dieu Jéhovah.